Pour moi, le documentaire, c'est pas un miroir de la réalité. Because for me, the documentary film is not a mirror of reality. C'est, si vous voulez, un ménage entre la réalité extérieure et entre la réalité intérieure de l'auteur. It's a mixture between the exterior marriage of the external reality and of the author's or the director's interior reality. Et si le film est bon, ça veut dire que le mariage est aussi bon. And if the movie is good, the marriage is also good. Ushkula in a television and in an interview, who has become very well known at that time because she was like a model woman who could work 16 hectares of land. So she was a strong woman working. Et qui en même temps lit des livres, peut aller au théâtre et cultiver. Donc vous voyez, ça c'est le modèle d'une femme dans ce site. Une femme, une héroïne socialiste, si on peut dire ça, s'appelait comme ça. Une héroïne socialiste, vous voyez, on vit dans la campagne, et il n'y a pas de différence entre la vie dans la campagne, et il n'y a pas de... donc elle vit comme si elle vivait en ville, ce que dit la journaliste. But on the other hand, she was reading books, she was going to the theater, so she has become a socialist hero. The ideal woman who works the land, and in the meantime she's an intellectual, so she can live life in the city. Dans le premier film, j'ai utilisé une focale un peu plus longue, un tel objectif. C'était filmé du loin, toujours avec le premier plan, comme si c'était plus un film d'observation. But coming back to how I have been shooting the movie, in the first place, I've used like a teleobjective. I've been shooting from far away, and this has given the impression that it was an observation. Puisque je savais très bien que le deuxième film sera plus intime, donc je pourrais m'approcher avec ma caméra en montrant un peu un autre caractère formel du film. But when I've reached the second movie, I knew I could come closer and I could show another character. Donc, si dans le premier la caméra était plutôt une caméra qui observait. So if in the first case it was a camera that observed. Dans le deuxième, c'était une caméra qui participait. In the second case, it was a camera that has been participating. Bon, donc 23 ans après, une chose qui était pour moi la plus grande victoire après le premier film. 23 years later, the thing that has been like a victory for me. Et elle s'est montrée à la télévision, et c'est vrai que, comme dit Ushkula ici, la campagne a complètement changé son attitude par rapport à elle. And so the first part has been shown in television, and the village people have changed their attitude towards her, towards Ushkula. Parce qu'avant, elle est traitée comme une folle de village. Before, she's been like the crazy person from the village. Tandis que là, les gens ont vu que c'est un personnage formidable, ils ne la connaissaient pas, à vrai dire. Ils ne se parlaient même presque pas.
And afterwards, they've seen that she's a great person. And before, they didn't even talk to her. Donc la vie, elle avait après la vie un peu plus facile, et c'est formidable pour le quand tu fais un film documentaire, et en plus de faire le film, il y a des effets secondaires qui sont formidables de temps en temps dans ce cas-là, qui ont aidé le héros à, enfin, pas aider, c'est trop dire, mais qui ont un tout qui peut changer la vie de l'héroïne dans le bon sens. So this movie has made her life easier somewhat, and it was so nice to see that there are some secondary effects after making a documentary movie, and in this case they were positive effects, there was a positive outcome, and it made her life better in a way, and this was very good to see. Donc, comme je vous ai dit, je suis resté en contact avec Ursula pendant tout ce temps-là. Elle a eu, quelques années après, elle a déjà un téléphone à la maison. Donc on se parlait, et puis un jour, 23 ans après, tout d'un coup la nuit, j'ai eu l'idée peut-être si on faisait la suite. So I stayed in contact and I stayed in touch with her for 23 years, because in a few years she's got a telephone at her house and we could talk. And 23 years later, I thought, what would happen if I would make a second part of that movie? Je savais très bien que ça ne sera plus un film. Ça sera aussi un film. Je savais que ça sera. Je voudrais toujours faire un film sur les médias, sur nous. Mais ne parlons pas de la politique, ne plus parler des besoins de la propagande, mais des besoins de la presse d'aujourd'hui, qui est aussi. Qui est différente, mais qui peut être dur pour les héros aussi. So the movie would be still about the media in some way, but it's not the propaganda anymore. It's not about political needs anymore, but about what the media asks of the people today, which is still not easy, which is still very harsh on the people that are being interviewed or who take part in it. Les gens adorent lire des choses intimes sur la vie amoureuse des héros, sur des petits scandales, etc. D'où cette journaliste, je vais vous expliquer pourquoi, d'où cette journaliste lui demande qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, qu'est-ce qui s'est passé, mais quelqu'un vous a fait du mal, mais c'était quoi? Et c'est Ursula qui dit non, je ne veux pas en parler. Because journalists love to ask about the private life of each person, and people like to read about it, so this journalist would go on about it, on and on about it, and would go in these questions and ask, so whom did you love, and who did hurt you, and what happened really? And she would keep coming back to this question until Ursula would say, no, I don't want to talk about it. Il faut que l'échange soit mutuel, c'est-à-dire que si je veux obtenir quelque chose, il faut que je donne quelque chose. And it also has to be balanced, so if I want to receive something from that person, I have to give something in exchange. Donc, je suis assez où je suis je suis ouvert par rapport à mes héros. Je leur raconte ma vie, mes enfants, mes petits-enfants, mon passé, etc. Comme ça, je crée un lien de confiance. And I'm very open with my protagonist. This means that I tell them about my family, about my kids, about my grandchildren, about my past, and this is a trust relationship that opens up trust. D'une manière naturelle, ça ouvre les héros, parce qu'ils commencent à me croire que bon, si je leur dis une certaine vérité. J'attends aussi qu'ils me disent aussi un peu de vérité, de leur vérité. And this opens up the hero of the movie, the protagonist, because if I say truths about my life, he will also say. Bien sûr, vous pouvez dire que c'est une technique. C'est pas que c'est un moyen d'ouvrir le héros. Oui, ça aussi. It's not necessarily technique. You could say it's technique, but it's not really that. Vous avez vu ici un truc formidable là. Est-ce que tu étais. Ton premier amour, demande Agnieszka. Ton premier amour. Et elle ne veut rien dire. Elle dit, ah, mon premier amour, non, écoute, non. Donc c'est
Agnieszka qui commence à dire, c'est moi, je suis tombée amoureuse quand j'étais à l'école. Et tout de suite, je le reprends. Et moi, j'étais amoureuse de, à l'école d'un petit, d'un gars qui, d'un garçon qui jouait au saxophone, et c'était la petite fleur de Sidney Bechet. This works a bit like an interview between Agnieszka and Ursula, where Ursula doesn't want to say anything at first about her first love, but then Agnieszka starts to say, well, I fell in love first at 16 with that boy, and then Ursula can answer to it, saying, yeah, when I was 16, when I was also in school, I fell in love with a sax player. Je ne sais pas qui de vous fait le cinéma ou veut faire le cinéma, mais en tout cas, je vous dis que c'est une bonne technique quand même. Tu commences, ou que tu pas nécessairement de raconter ta vie, mais tu commences un sujet, tu commences quelque chose, et puis il y a l'héros qui entre, et là tu te mets derrière et il continue. And now, who of you is making documentaries, who wants to make documentaries, but this generally works. So you just bring up a topic, you start to talk about it, and at some point, your hero, your protagonist, will step in and continue and talk, and you just have to back that person up to continue going. Écoutez, je ne parle pas des interviews, parce que moi, je n'ai jamais fait des interviews. Aucun de mes films n'est construit par des interviews avec les personnes. Aucun. This is not a situation for interviews. I've never done movies based on interviews. J'essaie toujours de trouver un alter ego. Always trying to find an alter ego, another person representing. Toujours qu'il y a quelqu'un encore entre le personnage et la caméra, qu'il y a encore quelqu'un. So there is one more person between the camera and the hero of the movie. De créer une certaine situation. Try to create a situation. Je crée une situation et puis je l'observe vraiment d'une manière complètement documentaire. And I observe just like in documentary. C'est-à-dire, je ne me mêle plus. Je n'interviens pas dans le scène, jamais. I won't enter, I won't change things anymore. Je n'interviens pas, c'est ça. I will not act, interfere, I won't interfere with it. Pour vous dire comment de temps en temps on fait le film documentaire. Et de temps en temps, comment on est forcé de faire soi-disant un trucage mais qui ne change rien au film. Il ne change pas la vérité. Même si c'est le trucage. So there has to be a trick that won't necessarily change the reality, but there is a trick. Je voulais absolument filmer la scène de la naissance du petit veau. I absolutely wanted to film how the veal is being born. Le big one, il a été né 2 semaines avant notre arrivée. Well, it actually has been born 2 weeks before our arrival. Donc quoi faire? So what could we do? On a téléphoné chez le vétérinaire du coin et on a posé la question, où vous pensez qu'il y aura une naissance? Cette nuit ou demain, enfin dans les jours, on a passé là-bas 10 jours, on avait 10 jours de tournage. Donc pendant ces 10 jours, est-ce que vous prévoyez une naissance d'un petit, une petite vache? So we just called the local vet and asked him, where will be soon veal being born? So we are having 10 days of shooting. In these 10 days, where do you think that there will be a new veal being born? Oui, il nous a montré un endroit, on est allé là-bas, et on a demandé aux gens, écoutez, c'était à 20 km de cette campagne, et j'avais dit, écoutez, c'est Ursula qui a aussi des vaches, qui adore les vaches, qui sait faire tout. Est-ce que au moment de naissance vous pouvez partir la laisser ou je la soyez tranquille, elle va faire tout ce qu'il faut. So we just went there. This was 20 kilometers away, and we told him just let Ursula take care of the things. She really loves cows. She knows what to do, and she will do everything that is being needed. Bien sûr, le paysan a été payé. On l'a payé. Of course, we have paid the peasants who had the cow. Et alors Ursula, c'était une grange comme chez elle.
So Ushla, une étable. So in stable, Ushla has went into stable that looked the same as hers. C'était complètement comme chez elle. Elle se comportait comme elle se comportait deux semaines avant avec son petit sa petite vache. She felt at home. She behaved the same way, like with her own wheel, 2 weeks earlier. Vous voyez, il n'y a aucun mensonge, même si c'était tourné ailleurs. So there is no lie, even though it has been shot somewhere else and sometime later. Mm-hmm. Why did you choose to put the two women in the field surrounded by cows? And if you have scripted in any way their questions and conversations? J'ai donné aucun conseil à la journaliste et aucun conseil à Ushla. Aucun. Comme vous avez vu dans le film, Martha a écrit un article là-dessus, qui est paru dans Politica, on le voit, n'est-ce pas, dans la deuxième partie. C'est-à-dire, elle a écrit en même temps un article, parce que je lui ai dit d'ailleurs, écoute, moi je fais le film, toi tu fais ton article. Aucune indication, aucun dialogue écrit, c'est pas impensable, j'aurais jamais imaginé ce genre de dialogue. En plus, j'aurais jamais osé leur dire, écoutez, parler de ça ou de ça, non. Et Ushla était obligée de partir avec les vaches dans le champ, et Martha l'a suivi parce qu'elle voulait discuter avec elle. Et le sujet, c'était à elle de décider. Moi, je ne me suis pas mêlé du tout. But there was nothing scripted, there was nothing written. I would have never thought of giving them any kind of indication. So Ushla went, as you have seen, Martha has written an article for the newspaper Politica. That was a real article. She thought about what to ask Ushla. And when Ushla went to look for the cows in the field, Martha just went with her and she asked the questions. I would have never imagined what would come out, or I could have never been able to script this discussion between the two women. How did you record the sound? What kind of equipment? Oui, c'était difficile. C'était difficile parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de micro-radio. Dans le deuxième film, il y avait le micro-radio. Donc c'était un Sennheiser, un micro-Sennheiser, qui était, oui, mais... Qui était placé devant les filles, on ne voit pas, mais c'était placé devant les filles. Mais on était très loin, on était 150 mètres avec une focale très très longue. C'était un objectif de, je sais pas, de 600 mm. 600 mm pour 35. 600 mm d'objectif pour la pellicule, 35 mm aussi. C'est vraiment une assez longue focale qui permet de faire un plan, disons, moyen. D'une distance de 100 mètres à peu près. Et il y avait un câble. Il y avait un câble qui partait du micro, donc j'entendais tout. Et avec Yacek avait aussi le deuxième écouteur. No problem. So it was a very difficult thing because we were shooting with a 35 mm camera and we needed a 600 mm objective because we have been at 100 meters. From the two women who have been discussing. And the Sennheiser microphone has been placed not very far from them, and it has been linked through a cable, and he could listen in, but from far away, so... Et donc, moi j'avais des écouteurs, et Yacek, peut-être ce qui m'a mis opérateur, avait des écouteurs. Et on décidait ensemble quand brancher la caméra. And they both had earphones and they could follow the discussion and then they know when they would have to start the camera. Parce qu'à l'époque on avait très peu de pellicules. Because they had very little footage. Très très peu de pellicules. Le rapport de pellicules, c'était le rapport de pellicules, c'est qui ça, oui. C'est-à-dire combien on reçoit de pellicules pour. Donc le film avait à peu près 4. Enfin bref. On recevait au maximum, le maximum vraiment, 1 sur 8 de pellicules. So they have never received more than 1 on 8. The report they didn't receive more than eight times the length of the 35 mm film they needed for the shooting. Donc c'était très très peu. Aujourd'hui, comme les étudiants, ils tournent bien sûr en numérique,
Ils ont un rapport 1 sur 100. Yeah, and now that you are shooting on digital, you can have even 100 times more material than what you're actually using. Mais, donc, on a enregistré le son tout le temps. Le son n'était pas à côté, c'était enregistré sur un magnétophone qui s'appelait Nagra, Delsky Nagra. Le son pouvait enregistrer, le son n'était pas cher, on enregistrait tout. So all the sound was recorded. It was a Nagra magnetophone with which they've been recording, and that would never be cut. They could record as much sound as they wanted to. Et la caméra, on la branchait de temps en temps. Quand on se dit, ah tiens, on branche la caméra. Puis quand c'est devenu un peu mort, ou il n'y a rien, on débranchait, bien sûr, parce que la pellicule tournait, c'était irréversible. Là, si la pellicule tournait sans effet, c'était irréversible. Elle n'entend rien, on ne sait pas pourquoi elle regarde. Et après, elle revient, on ne sait pas pourquoi. For example, in the conversation with Agnieszka and Ursula in the room, suddenly Ursula looks towards the window, and then she turns back towards the room, and there is no reason why she has been looking at the window. Donc pour justifier son regard vers la fenêtre, parce que ça me plaisait beaucoup, je voulais le garder, donc pour justifier, j'ai mis dans le son d'une voiture avec deux jeunes avec la musique très forte. C'est ça? Donc il y a une voiture qui arrive, une musique très forte. Elle regarde, la musique part, et elle regarde Agnieszka. Because it was a very nice shot, in order to keep this image of her looking towards the window and coming back. So the justification, the reason for her looking towards the window has become the sound of a car passing. With young people who were listening to loud music, and them coming closer and leaving, and she turned back towards the room. Moi, je travaille beaucoup sur le son aussi. Je travaille beaucoup sur le son. Je trouve que c'est très important. Le son peut vraiment ajouter. Je parle pas de la musique. Je n'utilise pas très souvent la musique. Mais sur le son, sur les bruitages, sur les sons d'ambiance, je trouve ça très, extrêmement important. There is a lot of work to do in sound. It likes a lot to work on sound, and it's not music. It's generally sounds that add to the ambiance, to the atmosphere of the scene. Par exemple, dans la dernière conversation, elle dit que ce que je vais dire, ça va être très émouvant, etc. Et j'ai mis le son c'est le son des grenouilles qui font ça donne un tout petit peu d'ambiance aussi, tout simplement. So for example, during the last conversation, where Ursula says what I am going to say will be very emotional, then suddenly we hear he has added the sound of grasshoppers. Parce que quand tu tournes, tu essaies de te brancher toutes les sources sonores. Because when one is shooting, one tries to turn off all the sounds. Quand je à mes étudiants, je dis toujours, écoute, regarde, il y a le frigidaire qui se branche et débranche, on l'entend. So for example, there is a fridge that turns on and turns off from time to time. Peu importe, s'il y a une scène où il y a le frigidaire tout le temps, ok, et très souvent il monte, les scènes où à un moment donné il y a le frigidaire, il n'y a pas de frigidaire. Où il y a la radio, il n'y a pas de radio. So if there would be a scene where you would hear the fridge all the time, that would be okay. But sometimes having it, sometimes not, is rather disturbing. Pour ceux qui font ou veulent faire du cinéma, une chose extrêmement importante, jamais de radio, jamais de son de radio, jamais de son de la télé. Mais c'était, je crois que c'était une observation très discrète. It's a very good question, but I think I was observing very discreetly. Et normalement, sur la télé, si elle voit quelqu'un qui pleure, elle fait un zoom et arrive jusqu'aux yeux et jusqu'au là. And then I didn't care so much about formality, and I decided to take this interview in it. And this is when talking, Ursula just said, but it shouldn't hurt. Et si quelqu'un me demande maintenant, écoutez, où sont les limites documentaires, jusqu'où on peut aller. Écoutez, je dis, il y a une de mes héroïnes de mes films qui s'appelle Ursula Fliess, qui a trouvé la meilleure définition, moi je ne trouverai jamais. Je
je ne peux jamais la dépasser, elle a dit, et que ça ne fasse mal. Pas mal, donc, So it doesn't hurt. So if anyone would ask me about how far a documentary movie can go and what the ethics of it are, I think Ursula said it the best way. So it doesn't hurt. This is as far as it can go.